Despite his best efforts to try entering the castle unnoticed, the vampires know that Gabriel is coming. Night is fast approaching, and soon he will have to use all his wits and powers to defeat what nightmares inhabit this place of death and decay. His strength grows by the day, and yet his hate intensifies deep within. He eats little and sleeps less. She is there in his thoughts, his beloved Marie. He knows that his journey is far from over. This castle, I fear, will push him into the abyss from which there is no escape. Salut à tous les mecs, ici Necros, le seul, l'unique, et bienvenue dans ce 18e épisode de notre aventure sur Castlevania Lord of Shadow. Et c'est officiel, Bob Lennon m'a officiellement doublé. En même temps, voilà, le mec il est craqué. En même temps, le mec il est craqué, il met un épisode tous les jours, donc forcément c'est facile d'aller vite. Bref, de toute façon tout le monde s'en fout. Moi y compris, et j'arrête de vous faire languir plus longtemps, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Et on était là, je ne m'en rappelais plus, ça faisait longtemps, qu'est-ce que je suis censé foutre en fait. Certainement grimper, au plus profond, enfin non, là non, si j'allais au plus profond je serais en train de descendre, espèce de tocard. Bien, en tout cas un grand plaisir chers amis de vous retrouver sur cette aventure complètement épique, j'essaye de comprendre, voilà. Et nous voici à l'extérieur. Ça fait plaisir parce que je suis en train d'en avoir marre d'être enfermé dans ces putains de catacombes. Je vais juste monter un petit peu le son. Et voilà. Voilà. Ok. J'ai 640 points d'XP, donc autant vous dire que ça ne va me servir absolument à rien. Va falloir que je reprenne un petit peu les bases de ce magnifique gameplay qu'est celui de Castlevania Lord of Shadow premier du nom. Alors savoir que j'avais dit que je ferais certainement le 2 après avoir fini le premier opus de ce magnifique jeu qu'est Castlevania Lords of Shadow, je l'ai dit bien là cette fois comme ça. Et très sincèrement je ne sais vraiment pas si je le ferai en fait, pour être honnête avec vous. On verra, je pense pas que je le ferai tout de suite à la suite de ce playthrough, nous verrons bien. Si je suis motivé, si j'en ai les moyens, bien entendu, parce que je vous rappelle que les jeux, c'est pas gratuit pour moi, contrairement à certains. Alors, faut être honnête, hein. Attends. Ok, ça passe. Ça passe. Très bien. Très bien. Et on se retrouve devant un château, a priori, un château de... qui devrait être infesté, rempli de saloperies en tout genre, pour changer. En tout cas, c'est très beau. Pas moyen de les casser, c'est... Non, bon, apparemment non. Bien. Merde. Ah, laisse tomber. Aïe. Je les avais oubliés, ces tocards. Ok. Allez, ça faisait longtemps, chers amis. On est reparti dans l'épicness de Castlevania. Attends. Fais pas le con. Tu es à moi. Donne-moi ton putain de bouclier. Voilà. Ouch. Loupé. Non. Il m'aurait pas aussi facile. Aïe. Allez, prends, putain. Crac. Loupé, bande d'enculés. Donne-moi de la santé. Aïe. Bon, va vraiment falloir que je me remette sur le gameplay. C'est de faire un maximum de choses proprement. Donne-moi ton cœur. T'en veux aussi? Aïe. Da. Ok, jusque là rien de bien méchant.
Rien de bien trop compliqué. Voilà, votre cristal est déjà rempli. C'est ballot, ça. Je pense rarement à l'utiliser, ce truc-là. J'ai de l'eau bénite, j'ai des petites dagues, j'ai des papillons de lumière et le cristal. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ouvrons cette saloperie de porte. Maintenant que c'est... Ah merde, c'est pas la porte que j'ouvre en fait. Mais non! Mais non! J'avais pas envie de retourner dans les profondeurs dégueulasses et dégueulasses. Fuck! Bon, c'est pas grave. Ah, vraiment pas moyen de me chier. Tant pis, allez. On ouvre et on saute. Ouais, je sais, dit comme ça, ça peut porter à confusion. Et c'est dégueulasse, mais j'en ai rien à foutre. On est tous compris. Mais saute! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti, putain! Bon. Pas grave. Forcément, c'est pas comme s'il pouvait l'ouvrir plus rapidement. Voilà. Ouch. J'entends des drôles de bruits. Je veux. Donne-moi. Donne-moi toutes ces délicieuses âmes. Qu'est-ce que c'est? Oh merde. Oh ouais, mais j'ai le temps. Pas de soucis. Ramenez-vous, bande de chiens galeux. Ah merde. Ouais, par contre, tu vas te détendre. Je te le dis gentiment, hein, sans offense, mais tu vas juste te calmer, mon gars. Bon, j'arrive plus à faire de la... Qu'est-ce qui se passe? Oh, God. Non! J'avais esquivé. On avait dit que j'avais esquivé, bordel. Oh là là, oh là là, je peux peut-être détruire cette porte. C'est... Pourquoi pas? Je vois pas trop l'intérêt pour le moment. Putain, c'est incroyable, j'ai du mal. Voilà! Putain, parce que je vois plus rien. Oh, puis il régène, ces connards! La 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 la! Aïe! Mais par contre, non. Là, par contre, ça va pas le faire. La 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 la. Bah, fils de chien. Bon, ça va bien aller. 5 minutes. J'ai besoin de santé, si c'est pas trop te demander. Aïe. Bon, vraiment falloir que je m'y remette par contre. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça. J'ai dit ça. Voilà. Ah. Tu es à moi. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à jouer aujourd'hui. Voilà. Allez. Pouf. Attaque. Attaque. Ah. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de péter cette porte par hasard? Me touche pas. Tu crèves. À quoi ça me sert en fait de... Ah, ça me sert à rien, on est bien d'accord. Ah si, pour grimper là. D'accord. Ouais, mais non. Tant pis.
Bon, on m'en rebalancer un autre. Ouais, ouais, non mais voilà, ouvre la porte. Je voudrais pouvoir défoncer la porte en fait qui est juste à ma gauche. Si c'est pas trop vous demander. Voilà. Mais merde, putain, mais je me gourde de touche en plus. Voilà. Maintenant. Vite, 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 vite. Parfait. Loupé. S'il y en a un autre là-bas à récupérer en fait. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Oh, j'ai eu ma frame d'invincibilité. Oh, oh, ça t'a guaqué. Hein, hein, ça t'a guaqué, tocard. Alors, je sais pas ce que j'ai ramassé par contre. Certainement un parchemin. Parchemin, voilà, ça doit être ça. Je crois que je me suis cassé la jambe quand je suis tombé. On dirait que je ne suis pas prêt de sortir d'ici. C'est bizarre, en effet. On dirait que les vampires gardent les wargs et les trolls captifs. Je les soupçonne de s'en nourrir lorsque le sang humain leur vient à manquer. J'ai entendu dire que ce château appartenait à la famille Bernard. Il y a des siècles. Ils ont dû être chassés lorsque la reine noire des vampires est venue. Quelque chose approche, on dirait des cliquetis d'ossements. Ok. Donc il s'est fait péter la gueule. Tout ce qu'il y a de plus de normal dans ces ténèbres. Oh, 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 oh. Approche. Approche. Tu es à moi. Voilà. Je vais régénérer un petit peu ma magie. Ça fait pas de mal. C'est pas comme si ça pouvait me servir par la suite. Allez. Des vampires à l'attaque. Aïe. Vous pouvez pas transporter plus de fioles bénites. D'eau bénite. Très bien. Très bien, très bien. Tu ne mets plus d'aucune utilité, maudit chien de l'enfer. Voilà. Bien. Bon bah ça se passe pas trop mal pour le moment. Je peux rien faire avec. Ça non plus. Ça sert juste à libérer les cages. Et si je descends là? Et sérieux? Ça servait véritablement à rien ou... Putain, je suis en train de me paumer. Non mais là, par contre, si je descends, je suis pas sûr de pouvoir remonter en fait. C'est pas que ça m'emmerde, mais un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la musique s'excite comme ça? Ah! Quoi déjà avec triangle? Ça fait rien. À moi! À moi! Meurs, maudit chien des enfers! En V aussi, c'est ça? Bouya! Voilà! Bon! Alors oui, non mais attends, parce qu'apparemment je peux aller en bas. Je peux aller en bas de l'autre côté. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je sais pas trop à quoi ça m'avance en fait, c'est ça le problème. Je sais pas s'il y a véritablement quelque chose à faire dans le coin. Un petit fond de santé, ça fait toujours plaisir. Je peux pas les ouvrir les cages. Ça me fait chier moi, j'aurais... Ah, hein. J'aurais bien voulu savoir ce qui s'y cache derrière en fait. Alors, j'ai entendu dire que la relique de l'abbaye peut nous... non seulement détruire les vampires, mais qu'elle peut aussi créer un bouclier temporaire protégeant le porteur. Comme j'aimerais posséder un tel objet, les vampires sont puissants et je suis là de les combattre. Je dois prendre du repos, même si ce n'est que pour quelques minutes. Tu auras choisi le repos éternel, très cher ami. C'est bien ça, vous avez déjà un cristal plein. Ça fait chier que, putain, ça fait chier que ça se stack pas ça. T'en chies tellement pour en compléter un, voilà,
Tout à fait. T'as très bien compris ce que je voulais dire. Merde, 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 merde. Bon, faut que je pense à utiliser mes fioles d'eau bénite contre les vampires. C'est pas que c'est efficace, mais juste un petit peu, quoi. Très bien, allez. Qu'est-ce que c'est qui se passe ici? Par contre, je sais plus comment on fait, en fait, pour utiliser le bouclier avec l'eau bénite. Ah! Ah! À l'attaque, mes petites lucioles! Distrayez-moi, cette bande d'enculés! On se détend, on se détend. C'est ça qui est bon. Par contre, ça me bouffe absolument toute la magie de l'ombre, cette attaque. Allez, réveillez-vous! Non? C'est bon, ils reviennent plus? Bon, faut croire que non. C'est pas plus mal, je m'arrange. Ok. Très bien. On arrive enfin dans des nouveaux décors, là ça fait plaisir. Enfin, ça fait déjà quelques épisodes qu'on a changé de décor, on est bien d'accord. Je me comprends. En tout cas, c'est vraiment classe. Hein. C'est vraiment super, il n'y a rien à dire là-dessus. Eh ben voilà! Parfait! Et en plus, j'ai trouvé la seule et unique gemme magique qui traînait dans le coin. Alors, nouveau combo disponible. J'ai 1940 points d'XP. Je vais pas pouvoir acheter grand chose avec ça. Je vais attendre un peu, de toute façon, avant de continuer à augmenter. Amélioration combo direct lourd, ouais. Attaque acrobatique, c'est quoi ça déjà? Il doit faire au moins 15 fois que je le regarde et ça fait 15 fois que je dis que je l'achèterai jamais. Très bien. Eh bah, poursuivons la quête. Poursuivons. Je vais vous laisser apprécier le petit discours absolument complètement épique. Jardin labyrinthe. Oh non! Je me rappelle de cette zone. It seemed getting into the castle will be more difficult than first thought. Gabriel will have to navigate the maze gardens. In this place, a man can be lost forever, or devoured by the creatures that haunt its labyrinthine corridors. These gardens were once the most beautiful in all Europe, and many pilgrims would visit the castle grounds from lands far away to witness their timeless beauty. Now they lie wasted and rotten, decaying as their master lives on. Ok. Ah, j'aime pas ce passage. Ouais, je me rappelle, c'est un labyrinthe long et chiant. Ça va se finir qu'il y aura des ellipses absolument partout dans cet épisode. La statue! Je casse la statue parce que j'ai absolument aucun respect. Aucun respect! C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je suis content. Bien, bon bah rentrons dans ce labyrinthe, fais chier. J'ai pas envie. Y'a rien à fouiller dans le coin. Ouais. Non mais vous pouvez pas me donner autre chose que les poignards dans. Je sais pas, des points d'XP, ce serait pas mal. Bon, laisse tomber. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que. Quoi? What? Non! Ne touche pas! C'est dégueulasse! Allez vous faire mettre! Il y en a beaucoup de ces saloperies, putain, ça. Je me rappelais plus de ça. Ah! Le problème, c'est qu'ils nous aspirent. Ah, ils nous aspirent de la santé, ces connards! Oh, de la saloperie.
Mourez, mourez! Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau bénite. Tu crois que ça, c'est efficace contre eux? Ah ouais, quand même. Ah, ça marche pas trop mal, ouais. Bon! On est dans un putain de labyrinthe. Et là encore ça va, là, y a rien à faire à part buter ces saloperies. Ça donne de l'XP au moins, ça. Pfff, 5 points d'XP, c'est lamentable. C'est lamentable, c'est de la merde, c'est inutile. Touche-moi pas! Putain, je suis censé aller où? Je commence déjà à me paumer. Eh merde. Non, cherche pas, je suis invincible quand je suis là. Je dois réussir à atteindre l'autre côté des jardins. D'une manière ou d'une autre, il doit bien y avoir un passage au-dessus de la haie. J'ai cherché les traces dans la neige, un signe tangible révélant des objets pouvant être déplacés. Si j'arrive à trouver une colonne ou une statue, je pourrai la pousser près de la haie afin de pouvoir passer de l'autre côté. Très bien. Pas mal ça, ça nous donne des petits indices plus ou moins efficaces. Là, ça c'est vraiment du troll ça, c'est vraiment du troll de merde qui sont juste là pour te faire chier, te faire perdre du temps. Mourez, mourez, bande de saloperies de merde. Ok, là-bas un mur. Un mur, un mur, un mur, toi tu fermes ta gueule. Bon. Et une gemme de magie de lumière, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Putain, mais ça spawn à l'infini, c'est merde là ou quoi? Oh là là, ouais, j'ai l'impression. En fait, t'en tues un, il y en a deux qui réapparaissent, quoi. Faut vite que je me barre d'ici, parce que là, je vais me faire ponctionner absolument toute ma santé. Allez. Laisse-moi tranquille. Nah, tu peux pas m'atteindre. Je hais les labyrinthes. Spécialement dans les jeux. Labyrinthe dans la vraie vie, à la limite, c'est sympa. Genre, il y en a plein. Ça. Ah ouais, j'en ai déjà fait, ouais. Ouais. Bah, arrête tes conneries. Non, mais c'est pas que je suis en train de perdre de la santé, mais un peu, là. Mène-toi le cul. Ah! Petite gemme de vie, ce qui fait plaisir. Tac. Ouh, a priori, je peux déplacer quelque chose dans le coin. Ah, c'est marrant, comment j'ai regagné de la santé, moi, cette connerie. Laissez-moi en paix! Laissez-moi en paix! Ils disparaissent, ces connards. Voilà! Je vais faire ça, je visite un petit peu. Pendant que je suis à peu près safe. Oh! Qu'est-ce que. Vous pouvez pas sauter cette distance sans aide. Même avec le saut de la mort qui tue tout là? Ah non, je pense pas. Ce qui veut dire qu'il devrait y avoir un warg dans le coin. Certainement, j'imagine. D'accord, je suis revenu au point de départ. Ok! Je vais aller voir là où j'ai poussé la. Barrez-vous. Mais allez, grimpe. Merci. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, encore un petit effort. Mais non! Descends. Pourquoi il veut pas descendre ce tocard, putain? Mais c'est incroyable, ça! Mais non! Je vais pas y arriver. Merci. C'est incroyable. Le mec, il est dissident. Ah non, mais il a décidé de me faire chier aujourd'hui. Il y a que dalle. Mmh.
Laissez-moi en paix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Je visite, chers amis. Patientez, ça va bien se passer. Tu la fermes. Ça, c'est la même. Oh là là, mais c'est immense. En même temps, c'est le principe d'un labyrinthe, tu me diras. C'est pas fait pour qu'on puisse trouver la sortie facilement. Ah! Non! J'avais pas besoin de ça. J'avais sincèrement pas besoin de ça. Fils de chien. Prends-toi ça. Ah non, enculé de ta race. Arrête de m'esquiver. Mais non, mais genre, putain. J'étais en train d'esquiver, là, c'est de la triche. C'est de la triche, sa race. Crève, crève, crève. Oh putain, c'est dégueulasse. Loupé. Oh putain, je suis obligé de la monter, fait chier quoi. Ah ah, c'est ignoble, c'est ignoble. Très bien. Oh putain, ça me répugne. Ça me répugne. En tout cas, la bonne chose, c'est qu'il n'y a plus toutes les petites saloperies qui ont respawn là. Ce que je suis censé faire, c'est utiliser l'attaque de la toile d'araignée pour écarter la porte. C'est craqué une araignée quand même. Ah d'accord, puis là faudrait que j'y aille à pattes. Putain, il y a tellement de trucs. Ah d'accord, ok, je vois où je suis. Je vois où je suis, très bien. Parfait. Ah oh, putain, mais c'est dégueulasse. Oh god. Là par là-bas, je crois, c'était. Voilà. Eh bien, t'as bien bossé, ma grande. Par contre, je peux pas y aller, ouais, faudra que j'y aille à la patte aussi. Il y en avait pas un deuxième de pont comme ça? Elle peut pas courir, cette connasse. Elle peut pas courir, cette saloperie. Enfin, sprinter, je veux dire. Ok, je vais retourner par là. Je suis en train de me paumer un petit peu quand même. Je tiens à le dire, je tiens à le préciser. Donc ça, non, ça faudra que j'y retourne à pied aussi. Bon bah c'est peut-être bien tout. Hein. Ah ah! Je le savais! Je le savais! Bien, ensuite je préfère tout faire comme ça au moins et là je... d'accord, c'est là d'où je viens, très bien. Bon bah écoute, pour moi c'est tout bon. Mère, merci bien. Je vais aller récupérer ce truc. Ah ouais, mais attends, j'ai l'impression que je suis sur la bonne direction en fait. J'ai bien l'impression que c'est ça. Alors bah ouais, voilà. Parchemin, indice, tous les indices mènent ici. Je n'arrive pas à trouver la clé du château. Il y a juste cette inscription dans la roche. Mais cela n'a pas de sens. Seulement lorsque le centre regarde les trois à entrer, la reine vampire vous autorisera. Seulement lorsque vers le centre regarde les trois à entrer, la reine vampire vous autorisera. Ok, mais ça n'a pas l'air bien compliqué. Ce que je vais faire, je vais juste aller récupérer. Je vais juste aller récupérer ce qu'il y a sur le cadavre un petit peu plus haut par là-bas. J'irai voir ce qu'il y a sur la droite aussi de ce côté.
un parchemin pour changer. Soie d'araignée, l'un des matériaux les plus résistants connus de l'homme. Il en existe de nombreuses variétés. Certaines d'entre elles sont même plus résistantes que le plus dur des aciers. C'est exactement ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans cette aventure. Néanmoins, celle qui est fabriquée par les araignées géantes est d'une résistance incroyable et son prix est très élevé à cause de la difficulté à le collecter. Il y a une note griffonnée à la main au dos du petit parchemin. Le peuple de Wiggle m'a indiqué les jardins du château abandonnés. Si je parviens à mettre la main sur cette soie brute, je pourrais quitter la confrérie en homme riche et puissant. Ouais, bah mon gars, avant que t'arrives à mettre la main sur de la soie d'araignée, je vais te garantir qu'il faut te lever de bonne heure. Alors, je crois que c'était par là-bas. Il me semble. Non, c'est encore sur la droite. Voilà, c'est juste là. Voilà, doucement, mon gaillard, doucement. Voilà. Donne-moi une gemme, quelque chose d'efficace. Merci bien. Une gemme de magie de long. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas trouvé. Fail. C'est le fail. J'ai juste complètement omis d'appuyer sur la touche. Bien, bon, bah écoutez, voilà. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 18, me semble-t-il. Je vais aller en direction de la porte qu'on a... Merde. De la porte qu'on a ouvert un petit peu juste avant là avec l'araignée. Qui se trouvait juste là, voilà. Juste aller voir ce qui s'y passe. Oula, point de sauvegarde, ça me plaît pas. Wait. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y avait pas la clé qui active ce mécanisme. Ça m'aurait étonné. Non, moi c'est tout, écoute. C'est tout. Bon, bah très bien. Eh bah écoutez, chers amis, on va s'arrêter là donc pour cet épisode 18 et on fera l'énigme dès l'épisode 19 prochain. Sur ce, eh bah écoutez, moi, chers amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao, c'est... Puis bah voilà, puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est là, hein, je crois. C'est bien là. Voilà. Allez, sur ce, chers amis, je vous dis à bientôt. Ciao, merci à vous d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, laisser un petit pouce vert si l'envie vous en dit, et à bientôt, ciao.